Bonjour, vidéo concernant la pluie. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez trouvé la fiche de cours. Le cours, c'est celui-là. Donc, l'objectif, alors ça, c'était un cours que j'ai fait, je ne sais plus quand. Ben, c'était dans le cadre du projet d'une classe de BTS sur Doulongoire. Et donc, l'idée, c'était, ça avait été de créer un parcours virtuel qui allait du Château-Anne de Bretagne jusqu'à cette zone. Donc vous, si vous voulez adapter ce cours à ce que vous allez faire du côté du canal de la Martinière, ben vous pourrez vous en inspirer. Bon, ceci dit, c'est notre deuxième pardon, semaine de confinement. Les arrêtés tombent. Alors nous avons donc un arrêté national, enfin je ne sais pas si c'est un arrêté, mais donc une consigne de ne pas sortir de chez nous. Et puis concernant les Pays de Loire, si vous êtes dans les Pays de Loire, il y a un arrêté préfectoral qui est tombé, je pense en début de semaine, en fin de semaine dernière. Donc les gendarmes me l'ont bien expliqué. Donc il y a l'interdiction de courir sur les bords de Loire, dans les parcs, enfin voilà. Alors moi, mon objectif, donc c'est à l'aide de Google Earth. La version pro que vous pouvez télécharger, d'ailleurs c'est gratuit, vous pouvez télécharger ici. Ah, c'est ce que j'ai fait. Donc hop, le voilà. Donc l'objectif, ça va être de trouver votre maison. Donc moi, ma maison, elle est par là. Et puis ça va être de tracer un cercle d'un kilomètre, parce que nous ne pouvons pas courir à plus d'un kilomètre de chez soi. Et il faudra donc éviter ce superbe bord de rive, qui en fait maintenant est interdit. Alors, première étape, j'ai Google Earth, je vais ici afficher donc la barre latérale, ce qui va me permettre de visualiser ça. Et puis, alors ici, ça, je vais le supprimer. Toc, oui, ok. Donc moi, ce que je veux réaliser, c'est mon petit cercle, et puis après faire un petit parcours virtuel. Donc je vais d'abord me créer un nouveau dossier. Donc je vais me mettre là, je vais faire ajouter dossier, je vais l'appeler, vous en doutez bien, Covid-19. Et puis ce dossier Covid-19 contiendra tous les éléments géoréférencés que je vais vouloir faire apparaître. Alors le premier truc qui va m'intéresser, alors tout ce que je vais pouvoir utiliser, c'est ça, c'est ce qu'il y a décrit dans le cours. Donc je ne les verrai pas tous, mais en lisant, là vous avez des trucs sympas, lumière en fonction de l'heure et puis du jour de l'année. Vous éviterez de vous satelliser dans l'espace là, parce que ça, vous utilisez le Google Earth spatial. Donc c'est pour Mars, les planètes du système solaire, voire peut-être même les galaxies. Alors, premier truc, moi, c'est poser un plot. Donc là, si je prends l'outil plot, ici j'ai mon plot, je peux le déplacer, je peux lui remplir ses caractéristiques. Et puis quand j'ai terminé de faire le positionnement plus les caractéristiques, j'appuie sur OK. Alors moi, faut pas que je me trompe. Voilà, hop, voilà, ça c'est mon point de départ en face de la pharmacie. Je pourrais mettre centre. Donc ça c'est, j'écris centre, pardon. C'est le nom de mon repère, centre. Je pourrais changer son style, pardon, c'est où? Ou ajouter une image. Donc moi c'est affichage, non c'est là, pardon. Et là je peux lui dire, tiens, une maison. Il y a une maison là-dedans. Il y a bien une maison là-dedans. Eh ben, je ne vois pas la maison, mais je n'ai pas mes lunettes, donc je vais prendre, tiens, ça. Ça, c'est mon point de départ carré. Je peux le grossir ici. Enfin, voilà, vous jouerez avec les outils. Moi, je fais OK. Et donc là, j'ai personnalisé mon truc. Donc, je peux faire OK. Et j'ai maintenant ici, donc, centre, c'est un sous-objet de mon dossier Covid-19. Cet objet-là est géoréférencé. Alors après, on me dit de ne pas courir à plus d'un kilomètre de chez moi. Dans ces petits outils-là, moi j'ai une règle. Règle, je peux faire des lignes, des trajets, des polygones, des cercles. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un cercle. Changer l'unité par défaut, c'était en miles. Moi, je connais pas les miles, mais je connais les kilomètres. Alors l'idée, c'est de faire un clic, c'est votre point de départ. Là, vous allez lire la distance, 1 kilomètre, c'est grand, mais pas tant que ça. Donc je dézoome. 1 km, 8, 9, je dézoome encore. 1 km, 1 km, 1 km, 1 km, 1 km. Allez, toc.
Voilà, ça c'est mon cercle. Alors, navigation à la souris, oui, enregistrer. Je m'en vais l'enregistrer. Il me propose donc la petite fenêtre maintenant que je maîtrise. Et là, je vais mettre zone autorisée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Style couleur. Non, je vais mettre du vert, c'est autorisé. Donc là, je peux lui mettre ma couleur autorisée. Ouais, sauf que je vois pas trop bien. Donc, je peux lui augmenter. Ouais, si je mets 5, je vais changer la couleur. Donc, hop, donc je veux retourner dans les propriétés. Et là, alors un vert plus, tiens, un vert... ça là, ça va se voir. Oh cool. Voilà, donc mon deuxième travail, ça a été de faire donc ses limites. Et puis maintenant, je m'en vais. Alors, je m'en vais imaginer un tracé pour mon futur footing. Donc, pour tracer, pour faire mon tracé, donc moi je vais utiliser celui-là. Donc, ajouter un trajet. Donc, d'ailleurs, hop, regardez bien, zone autorisée n'est pas dans Covid-19. Donc, hop, je m'en vais le déplacer dans le dossier Covid-19. Zone autorisée, chez mon centre. Je vais donc maintenant imaginer un petit parcours, qui évite les berges, puisque c'est interdit, et puis qui me permettra donc de me défouler. Ben, je vais faire mon petit parcours, celui que je fais d'habitude, et je pense que je vais franchir... Ah, je peux pas aller à... Ouais, bon, ben, on va dire que là c'est un nomad's land, c'est la déchetterie. La marée chaussée ne viendra pas m'embêter. Je ne suis pas sûr. Donc pour faire mon petit trajet, ben je prends mon petit outil trajet. J'ai ma petite fenêtre. Alors celle-là, il ne faut surtout pas que je la ferme parce que sinon je quitte mon outil. Et puis donc là c'est parti. Je vais inventer un trajet. Je vais mettre sur pause histoire de gagner un peu de temps. Je reprends un petit peu la vidéo. Donc là, en fait, je fais une succession de clics. Ça me pose des points. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous montrer. Alors voilà, là j'ai terminé mon trajet, je vais pas encore cliquer sur OK, je lui ai changé la couleur, je vais aller modifier quelques points parce que là j'ai. Donc je peux déplacer mes points. Hein. Toc, voilà. Si je voulais être plus précis, on va dire qu'on va laisser ça. Donc je reste globalement dans la légalité, mais pas tout le temps. Voilà, ça c'est fait, donc ça je valide. Alors maintenant ce trajet est bien dans le dossier Covid, c'est bon. Et si maintenant je veux faire un parcours virtuel, donc je peux en fait cliquer ici sur ce petit bouton donc qui s'appuie sur le trajet que je viens de dessiner, enfin le trajet qui est sélectionné. Et si je fais ça, donc là je vais avoir une petite animation qui apparaît et qui va me montrer donc le parcours. Hop. Alors, vous remarquerez que là où j'habite, les maisons sont pas en 3D. Mais par contre... Ah, illégalité. Par contre, à un moment, on arrive à de l'animation 3D. Donc là, ça y est, je commence à voir mes arbres. Mais j'ai peut-être dit une bêtise. Et non. J'ai pas dit de bêtises. Mon petit village n'est pas encore en 3D. Un jour, cela viendra. Bon, par contre, j'ai le relief. Hein. Donc je vous avoue que ça monte. Voilà. Donc, je suis arrivé chez moi. Alors, si jamais je voulais en faire une vidéo, c'est ici que ça se passe. Donc là, je peux enregistrer la visite. Donc si j'enregistre la visite, maintenant j'ai ce petit bouton qui est présent. Je peux d'ailleurs enregistrer une narration. Donc là je me remets au début. Je clique sur le petit bouton enregistrer. Donc là c'est enregistré. Et là, il me refait ma visite. Donc ne me restera plus qu'à vous montrer.
paramétrer la temporisation. Donc là, je vais mettre sur pause l'enregistrement de mon écran et je vous reprends quand il a fini son petit tour. Alors voilà, il a fini son petit tour. Si vous voulez donc jouer avec, je vais arrêter l'enregistrement, pardon. Donc si vous voulez jouer, je mets sur pause, avec l'inclinaison, tout ça, ça se passe par là. Dans les options, vous avez vu 3D, dans visite, alors l'angle d'inclinaison, portée, la vitesse, on peut faire peut-être un peu plus lent, portée de la caméra, on peut partir d'un peu plus haut, et puis l'angle 75 degrés, c'était pas mal, je vais faire appliquer, ok, si maintenant je relance la visite, donc là c'est mon altitude qui l'augmente, et puis donc il recommence le même parcours. On lui laisse un peu le temps, donc c'est un peu plus lent aussi. Voilà, donc ça c'est les paramètres. Après cette vidéo, je crois que j'ai fait le... je ne sais pas où elle s'est enregistrée. Donc je vais remettre sur pause et vous trouvez l'endroit de l'enregistrement. Donc comme quoi ce support de cours est divinement bien fait, donc j'étais tout en bas, alors pour enregistrer la visite du film, toc, et puis après, pour exportation de votre film, vous devez au préalable fermer le lecteur de la visite virtuelle, puis outil Movie Maker. Donc je m'en vais tester ça, je ferme l'outil de visite virtuelle, c'est celui-là, toc, c'est fermé, et puis après, outil Movie Maker, c'est lui. Donc la navigation, non, je vais prendre... Je veux prendre ce trajet, alors outils, non, je dois laisser ça, toc, je vais me remettre sur pause, je vais repartir au début, et là je dois, donc je dois fermer ce truc là, outils, Movie Maker, alors pourquoi je le vois pas? Parce que je l'ai enlevé, donc Movie Maker, je le reprends. Navigation en direct avec la souris. Oui, ok, on va laisser ça. Ça me fera un fichier MP4. Je peux jouer avec les résolutions, soyons modestes. Là, je peux créer un film. Donc là, c'est avec la souris. Donc ça ne me plaît pas. Je reprends mon support. Pardon. Enregistrer la visite virtuelle, donc je reviens, j'ai mon truc, j'enregistre la visite virtuelle, donc là je vais mettre visite, vidéo, toc, je fais OK, donc visite vidéo, elle est là, et après, si je fais outils, je dois fermer ce truc là, c'est bien, et si je fais outil Movie Maker, vidéo des lieux, toc, pof, clac, créer le film, are you sure to un parcours virtuel, alors je vais mettre non, et je reprends outil, je suis vraiment désolé, alors je vais faire parcourir, je vais le mettre dans mon téléchargement, je vais le mettre footage, je crée mon film, et donc là il est en train de se baser sur le trajet que j'ai enregistré ici, il prend en compte les paramètres, donc les paramètres dans outils, préférences, là, inclinaison, etc., que j'ai paramétré pour mon trajet. Et puis, comme je l'ai enregistré, il se base dessus pour créer ici, sur ce film-là, il se base dessus pour me créer un fichier MP4. Je vais attendre que ça se termine. Je vais mettre sur pause et je vous montrerai le résultat final. Donc, vous, votre objectif, hein, c'est ce que j'ai mis dans Pronote, c'est me déposer une copie d'écran de vos travaux faits. Alors la copie d'écran, moi ce qui va m'intéresser c'est de voir ça, la zone autorisée, le centre, le trajet et puis un truc vidéo. Vous n'allez pas pouvoir me déposer la vidéo, elle va être trop lourde
puisque les pièces jointes sont au maximum 4 mégas. Mais si vraiment vous avez trouvé l'exercice rigolo, je pourrais partager donc un espace, et puis comme ça vous pourrez le déposer. On verra ça à la séance suivante. Voilà, donc là je mets sur pause. Alors il a presque terminé, 99 et 100%. Et normalement dans mon petit dossier, j'ai ma petite vidéo qui s'appelle Foutinge, propriété qui fait 800 mégas, c'est même pas la peine. Donc, c'est un film d'une heure et demie. C'est à peu près le temps que je mets pour faire le parcours. Enfin voilà, donc à optimiser mes paramètres, je pense que j'ai peut-être pris un peu trop lent. Donc ça pourrait, c'est sûrement le truc à modifier. Voilà, donc votre objectif, je vous le rappelle, c'est ma foi, me faire le trajet. Alors d'ailleurs, accessoirement, regardez, si vous double-cliquez sur un de ces objets, hein, pof, ça va directement, ça vous le montre. Ça calcule le zoom nécessaire pour vous le montrer. Dernière info avant de vous quitter. Alors j'avais fait des trucs sympas. C'était. Alors je vais prendre un navigateur. Toc. Là, si. Alors je sais plus où c'est. Ben, vous tapez sur internet Trolley parcours de randonnée. Hop. Et puis création d'un parcours de randonnée. Il était pas mal là. Ça reprend à peu près les mêmes idées que je vous ai montré. Donc ça c'est en Corse, hein, ma foi. Et donc là j'ai utilisé Google Earth pour tracer mon parcours, mon trajet. Alors il reconnaît les chemins de rando. Et puis vous avez toute la procédure qui est là, vous avez les vidéos qui vont derrière, et puis vous avez l'animation finale, le film et puis les exports. Vous pouvez aussi regarder si jamais vous êtes un randonneur averti. C'est un outil qui est plutôt sympa. Voilà, fin de cette vidéo. Bonne pluie et n'oubliez pas que le salon sera ouvert uniquement en période de Covid-19, bien sûr.